Bonjour et bienvenue dans le live du Donjon des Saints de Paper Mario La Porte MDR. Accueillons chaleureusement YouTube. Regarde ce chat en liesse qui t'accueille. T'as un héros. Alors que tu n'étais pas là visiblement, mais tu as regardé la VOD et ça c'est beau. Du coup voilà, bienvenue dans ce Donjon des Saints Paper Mario La Porte MDR. Et je vais vous demander, mesdames et messieurs, parce que les surprises ne s'arrêtent pas là. Je l'ai dit, nous serons accompagnés ce soir d'ermites modernes. Bonjour. Bonjour. Est-ce que c'est bien ici le live de Mister V? Non. Pourquoi t'as mis cet avatar alors, espèce de bâtard? Tu m'as trompé encore, je suis dans un live de lunatique, putain! J'en ai marre! Eh oui, désolé, je t'ai eu ermite. Ermite, ah, il s'est barré, connard. Bon, c'est pas grave, je reste quand même. Ok, merci beaucoup et merci à Sagoumekrim pour les 1300 bits au moment où tu t'es barré. Comme je me suis retiré pour les 1300 bits. Les 1300 bits, tu t'es retiré 1300 bits d'un coup? Incroyable. Exactement. Ça fait mal, non? Je me suis entraîné avec des brosses à dents. Et du coup, mesdames et messieurs, attention, je vais invoquer Moubot. Bonjour. Cet après-midi ont lieu les demi-finales d'âme à Roland-Garros. Moubot qui me donne la carte numéro 12. Et du coup, la carte numéro 12, c'est l'heure de la carte des défis. À chaque épisode, j'impose un défi à lunatique afin de pimenter son aventure. Et la carte des défis du jour sera la numéro 12 qui est... En vacances. Mais pourquoi maintenant? Pourquoi? Pourquoi? L'insurrection des machines, il t'a niqué le bot. Mais non, mais il t'a niqué le bot. Pourquoi mon bot? C'est le mois d'août, il est en vacances. T'as de la chance, tu vas pouvoir niquer 5 Goombas, dont un Goomba avec des chapeaux, sans restriction. Et ça c'est unique. Putain mais quel enfer, mais pourquoi ça tombe maintenant? Bon, je bien. Vais... La vie est bien faite, merci donné, le bot. Étant donné que j'ai un dur défi, on va refaire les badges, hein, attention. En fait non. J'adore. Bon écoutez, c'est les 10 premiers étages, ça va être easy. Ça va être easy, on fait ce qu'on veut. Que faire? Trop dur, ah, mais avec cette carte des défis, je ne sais pas quoi faire, regardez. Oh là là, c'est compliqué. Hein. Quel ennemi prodigieux et majestueux, vraiment l'élite de la nation, mesdames et messieurs. Exactement. Non mais c'était une vidéo, c'est un chef-d'œuvre d'internet, Bonu les types, c'est un des meilleurs. Pourquoi tu as fait ça? Bah je pensais que je pouvais sauter sur les pics, écoute. J'avais un rêve. Ah oui, tu mets un badge, tout, d'accord. Mais... J'avais un rêve, j'y croyais. Salope, baisse ta mère, fils de pute. Bon, bah, ils font pas mal, mais ça va. Heureusement que t'es en vacances. Hein. Imaginez si j'avais une double peine avec sensationnel. Pas de Mario et pas de partenaire. Ça aurait été un début de live sur les chapeaux de roue, hein, pour dire une expression que je ne comprends pas ce que ça veut dire. J'avoue, les chapeaux de roue, j'avais compris. Non. C'est une pièce des roues, ça a un surnom, ça s'appelle les chapeaux, c'est un terme de garagiste, c'est quoi l'idée là? Ça n'a pas de tête les chapeaux, putain. Comment ça n'a pas de tête les chapeaux, quoi? Ah oui, ça peut pas avoir de tête les chapeaux, puisqu'on les met dessus les têtes. Ah bah attends, tu peux mettre des chapeaux sur des chapeaux. Mais est-ce que c'est... Bah, tu peux mettre des chapeaux sur ton pied, y a pas de tête ton pied quand même. Bah tu fais de la philosophie là. Ouais, mais Ouais, d'accord. Ça se tient, ça va, je suis d'accord avec toi. Tu me contredis pas, j'ai fait... Moi, les questions existentielles, je connais. On a terminé le premier enfin, les premiers 10 étages. Ouh, c'était dur. Du coup, on va dire au revoir à cette carte des défis très, très difficile. Salut. Hop. Et on va demander à Moubot de nous Comment en tirer une nouvelle. Ah bah, c'est pas magique. C'est l'heure de la carte des défis. Chaque épisode, j'ai besoin d'un défi de mon cul. Alors, la carte numéro 1, c'est la... Non, Mario, la toute première des épisodes de Paper Mario. C'est pour ça que je l'ai mise en numéro 1 d'ailleurs, en hommage. Vous ne pouvez pas utiliser Mario en combat pour toute la durée du coup de ce défi. Il ne peut que se défendre ou soigner un équipier. Oh là là, c'est bien parti. Oh, c'est bien parti pour Jean-Claude. Oh là là. Alors ça, je sais pas si t'as vu cette action. T'es bien débarrassé du plus chiant en plus, l'ennemi là. C'est ça. Oh, c'est beau. Mais c'est du basket là. Charles Barkley RPG. C'est un RPG qui est dérivé d'un jeu de basket sur Mega Drive. C'est une connerie. C'est une connerie, non, parce que. Ça m'avait rappelé, parce que t'as tellement dunké l'ennemi, ça m'a rappelé ce truc. C'est super what the fuck, j'espère en parler un jour dans une vidéo. Mais le but, mais le jeu, en fait, c'est que le basketball a été interdit dans le futur. Et tu es Charles Barkley. Tu as été accusé d'avoir accompli un chaos dunk qui a tué 15 millions de personnes dans l'île de Manhattan. Beau papier, c'est pas ça. Tu connais ce genre de Gestapo du basket. Il essaie de t'arrêter. Et toi, tu dois sauver le monde parce qu'il y a une association maléfique qui s'appelle Blood Moses qui essaye de faire un autre super slam chaos dunk. Qu'est-ce qui se passe dans cette histoire? Ça n'a aucun sens. Ça n'a
absolument aucun sens. Il y a son fils qui a été kidnappé par un dieu maléfique celtique, et puis à un moment, il y a un alien nain qui tombe du ciel, il s'est brûlé le visage, donc pour se greffer une nouvelle peau du visage, il a dû prendre un cuir de ballon de basket. Quoi ? Du coup, il est moitié nain, moitié basket. Mais comment tu connais des trucs pareils, toi, par contre Ça m'a toujours sidéré. Tu connais de ces trucs à chaque fois ? Bah, j'aime bien aller dans des endroits un peu obscurs d'internet comme ça. Et du coup, Moubat, à toi de tirer une nouvelle carte par pitié, pas en vacances, sinon je vais pleurer. Et putain. Putain, mais oui, je savais ! Je le savais ! C'est trop bien. Ma vie est merdique. Elle va tomber 4 fois, sauf à la fin où j'en aurai le plus besoin. Putain, vie de merde, quoi. Bon, bah en vacances, c'est bien, au moins, c'est-à-dire que j'ai rien à faire, quoi. Je peux jouer avec Mario, je peux jouer avec... Ma bite. Je suis énervé. Je suis énervé, toi. Je suis un homme en colère. Et attention, les Goombas ont des chapeaux. Oh mon dieu, ils s'adaptent. Fais gaffe, il y a un pétaleux cousin en fin de... Triomphe la galère. On va s'en débarrasser tout de suite. On s'en bat les couilles. Oh, direct. J'ai raté. Oh non. Qu'est-ce que j'ai fait de ma vie ? Je descends gaiement. Pour niquer ta maman. Tout de suite, on tire une nouvelle carte des défis en vacances. Et du coup, mesdames et messieurs, c'est l'heure de... La carte des défis. Chaque épisode, je pose un défi, on s'en fout. Quoi qu'il en soit, c'est la carte numéro 20. Et la numéro 20 est... Power Down. Les pouvoirs de Mario le Kid, il ne peut plus se fier que sur son talent et ses objets, éventuellement sur sa chance. Grosso modo, j'ai plus le droit d'utiliser mes pouvoirs étoiles pour les 10 prochains étages. Eh bien écoutez, ça va, enfin quelque chose qui peut m'impacter et qui pour le moment ne me met pas trop mal non plus. Bon là, pour l'instant, c'est des ennemis qu'on a déjà rencontrés encore, hein, des pas trop compliqués. Mais je peux encore perdre des points de vie, etc. Et si je fais pas trop attention... Oh, Dark Kevin ! Dark Kevin était plus qu'un rageux, c'était un véritable FDP. Mine de rien, est-ce que Paper Mario, Port NDR, c'est pas quand même un beau parallèle avec Twitch ? Littéralement, t'as des 200 personnes qui viennent te voir et qui t'envoient des bits et des subs pour te supporter super puissant. C'est ça, ils avaient déjà... C'est le concept de live, ils l'avaient déjà inventé. Mais c'est juste qu'ils ont appelé ça le théâtre, c'est incroyable. Mais moi, désolé, mais dans le théâtre, je connais pas beaucoup de gens qui te balancent le fric dans la gueule. C'est vrai. Ça, c'est vrai. Ça, c'est... Imagine, tu fais genre Roméo, pourquoi es-tu Roméo ? Et genre, merci beaucoup à Jean-Michel Poinjouin qui m'a envoyé 500€ pendant que je jouais. C'était trop bien. Attends, imagine encore, tu joues le roi Lyre, t'as le mec qui fait mon cheval, mon royaume pour un cheval, et t'as un mec qui fait Kappa ! T'as pas le cheval ! Regardez, il y a des mecs qui tiennent des panneaux avec le mec mort de rire. Au lieu de rire, ils mettent un panneau MDR au-dessus de leur tête. Enfin, en fait, avec tous les panneaux qu'il y aurait, ce serait une réunion de la CGT, en fait, le théâtre, c'était comme ça. Alors, Moubot qui nous tient la numéro 23. Ah, la numéro 23, c'est intéressant. Tout simplement parce que c'est une carte, entre guillemets, inédite, qui n'a jamais été utilisée dans les Paper Mario MDR, parce qu'en fait, elle n'existait pas encore. Je l'avais créée spécialement pour cela. Et c'est parti pour découvrir la carte 23 ensemble, en direct. Maintenant, c'est l'heure de... World Premiere. La carte des défis. À chaque épisode, j'impose un défi magnétique. C'est la carte numéro 23, hein, c'est ça ? Alors, la carte numéro 23, c'est donc... Oui ! Mario et ses amis ne sont pas bien motivés. Ils n'agiront qu'un tour sur deux et se défendront ou ne feront du charme durant l'autre tour. Tandis que... Twitch nous annonce qu'on est 0 million de viewers. Merci à vous de vous être tous barrés. Salut mon pote. Putain, j'ai une mouche encore. Elle revient à chaque... Mais la journée, elle m'a pas fait chier du tout, mais là, elle revient en stream. En fait, c'est un viewer, la mouche. Elle s'approche de ton travail, elle fait zzzz, Kappa. Kappa. Est-ce que tu as vu la fois où le père de Benjamin Castaldi a fait du karting à Tokyo déguisant en Wario ? C'était sur le nouveau... C'était sur Salto, là. C'est le nouveau truc, là, de France Télévisions pour faire concurrence à Netflix ou je sais pas quel genre de merde. Ils savent déjà qu'ils font un bond en arrière avec leur plateforme. Le pouvoir du patrimoine culturel français. Par contre, no joke, s'ils font un espèce d'Avengers avec Joséphine Ange Gardien, avec la brigade anti-mineur, là, je sais plus quoi, et le mec de Camping Paradis, vie de ma mère, je regarde. On appellerait ça les revanchards. Les revanchards, voilà, putain, c'est super français, en plus, revanchards.
J'adore. Les revanchards, fin du jeu, Mimimati et tous les autres doivent s'unir pour battre Louis la Brocante, qui a récupéré les 7 antiquités de l'infinité. Contre les gilets jaunes. Contre les gilets jaunes. Louis la Brocante et son armée de gilets jaunes attaquent la région PACA. Que vont-ils faire? Durant la phase 2, il y aura scène de ménage. Scène de ménage, en fait, c'est les gardiens de la galaxie du revanchardverse, tu sais. C'est un truc salto. Non. France Télévisions et TF1, là, achetez-moi, là, j'ai des idées, là. On va faire ça. Achetez-moi. Achetez-moi. Trouver un ennemi. Enfin, on va prétendre que le boss de fin, c'est Philippe Etchebest, et on va dire que tout le monde est content, d'accord? Philippe Etchebest. De mon nom, j'ai tracé ma voix. Ce plat n'est pas bien cuit. S'il te plaît, renvoie-moi ça. En fait, il y a des tas de gens qui font de super suggestions pour Captain Marvel, donc c'est Captain Maïté. Quelqu'un qui a disparu dans les années 90 et qui, du coup, revient en force pour casser la gueule à l'invasion des Nicolas Canteloup. C'est passé grave vite. Et voilà. Et voilà! Nous avons ce fond iconique qui nous dit que nous arrivons vers là où ça va faire mal, les 50 derniers étages du donjon des 100. Du coup, après on peut discuter encore 2-3 minutes, hein. Rien ne nous empêche. Oh, bien sûr. Alors j'aime beaucoup la tapisserie, ça fait très donjon. Alors, on appelle Mister JD. Bonjour. On va peut-être balancer dès maintenant la première carte des défis de cette deuxième session, qui est une mouche. Casse-toi la mouche. Avec le motion gaming, là, on sait comme ça. Du coup, mesdames et messieurs, attention, c'est l'heure de... La carte des défis, j'ai raté, attention, la carte des défis. Le live éclaté au sol. La carte des défis est donc... Calmez-vous. Fragilisé. Après sa transformation, Mario est devenu fragile. Il ne peut plus augmenter son attaque et subira le double des dégâts. Ses actions n'impressionnent plus personne. On va expliquer un petit peu ce qui se passe. Donc, un jour, de nulle part, je reçois un MP sur Twitter. On s'est jamais parlé ni d'Ève ni d'Adam, mais là, je vois Mister JD. C'est quand le prochain Paper Mario? Genre, j'étais le pire fan, mais vraiment, mais pendant tout le truc, j'étais en mode, mais vite, le prochain, la pire personne. Le mec, il est YouTuber, il va voir un autre YouTuber et lui dit, c'est quand le prochain? Je me souviens aussi que t'étais là, tu m'as dit, ouais, ce serait trop bien que, genre, pour Pingro, tu fasses la voix de Inspecteur Le Blanco de Kemal. Je m'appelle Pingro. Et tel que vous me voyez, je suis un détective. Excusez-moi, Jackson. Vous avez dit ses fesses? Le pire fan, le gars, il dit même, tu devrais faire ça et tout. Non, je crois que c'était genre, c'est ce qui aurait été stylé, j'avais dit, c'était genre, ça aurait été trop stylé si tu t'avais que marre. Ah, ça fait mal, ça? 5. Bah non, pas 5. Bah non, j'ai le double des dégâts, moi, monsieur. Non, je pensais que pour les objets, peut-être que ça doublait pas. Ah non, ouais. C'est vraiment tout. Tu prends la max avec tout. Dans le cul, madame la marquise. C'est quoi la carte numéro 5? Eh bien, écoutez, la carte numéro 5, on va découvrir tout de suite ce que c'est, car c'est l'heure de... La carte des défis. Alors, maintenant, il est temps de s'imposer un nouveau défi pour les 10 prochains étages à venir. La carte numéro 5, vous le savez sur le chat. Qu'est-ce que c'est? C'est... À vous l'honneur. Pourquoi je suis pompu? Putain! Aucun honneur! Aucune dignité! Dans un excès de gentillesse ou de stupidité, Mario laisse désormais l'avantage à tous ses attaquants. Il vous est interdit de prendre l'initiative avant un combat. Quelle indignité. Nous sommes sur le service public. La question c'est, est-ce qu'on aime les boues? Est-ce que tu aimes les boues? Moi j'aime les boues, j'adore les boues. C'est un de mes ennemis préférés de Mario. Allô? Oui, moi aussi, les boues. Ok. J'adore. T'es en PLS. Bien. La boule magique! Je croyais que je pouvais le faire. Ah, Bob. Bob qui est passé en chat emote only. Très très lucide. N'hésite pas à mettre le sub only aussi pour inciter les gens à passer à 500 de sub goal. Quel connard! Ah mais non. Ouf. J'ai failli manquer à ma règle. Je m'en suis rendu compte à la fin que je devais me faire toucher. Oh non. Il faut au moins 8000. C'est pour vous que je fais ça. C'est pour vous remercier de tous vos sommes. J'utilise Cumulia. Et putain, et ça touche quand même, mais quelle vie de merde. Mais ça touche quand même, mais... Génial. Merci à Cumulia, merci. Non, merci. Toujours là pour les bons coups, hein, Cumulia. 600 subs et c'est Fortnite. Ah non, vous m'avez pas pris au mot quand même quand je dis ça, c'était pour déconner. D'ailleurs, tu faisais un live toi avant de me rejoindre? Tout à fait. Tu faisais quoi? Tout à fait. J'ai fait Mario Maker 2 puis Mario Kart 8 qui a très très bien marché grâce à Nintendo Online payant. J'ai eu que 6 erreurs de communication en essayant de lancer une partie, donc je considère que c'est plutôt pas mal. On est prêt à donner beaucoup plus d'argent pour un service d'une telle qualité. Hein. C'est clair. Oh,
Quoi? On a encore essayé de m'offrir un truc? Putain, j'ai dit qu'il a disparu. Non, je suis là. J'observe. Parce qu'à partir de maintenant, tu dois commenter à chaque fois que je fais ça. Alors là, tu prends le Mario. T'as pris donc 6 Mario, 5 Koopek, et ainsi que des fleurs. Bon, à partir de maintenant, tu ne commandes plus grand-chose. D'accord. Allez, les fleurs, la fleur, alors, la fleur, fleurs. Oui. Putain, mais je suis trop bon, bingo. Du coup, tu regagnes vraiment tous tes points fleurs, et ça, c'est pas mal. Mais tu sais ça, que... Ça sert pas mal pour les attaques spéciales, notamment. Qui est le pire commentateur, like, pour le commentaire basé de Lunetteville RT pour JD. Terrible. Alors là, il va aller dans le tuyau, et voilà. Et non. Et il va y aller, il va finir par y aller, hein, quoi qu'il arrive, je pense que... Voilà, Moi, ce après, que je veux faire, c'est arriver, jouer. Je dirais qu'il va arriver au 69. Ah ouais, il y a moyen. Habile. On est face à une plante piranha givrée. Hein. Cette fois, j'ai l'ennemi qui a l'initiative. Vraiment très très nul, le Mario qui a pas pris une attaque. Hein. Salut. Le saut. C'est le saut. Alors, Emilia, Luigi. Match. Bon stream. J'espère que tu disais que le stream était bon et non pas que tu me souhaitais un bon stream. Il te souhaite que le stream soit bon parce que pour l'instant, c'est pas ouf. Ça y est, on a passé un autre cap et là, à partir de maintenant, ça va foutre la merde. À partir de maintenant, ça va être compliqué, on va avoir des ennemis inédits, il me semble. Nous allons tirer une nouvelle carte, Moobot. À toi de jouer. Je crois que c'est de la merde. En tout cas, c'est les cartes des filles et du coup, la carte numéro 8 est... J'ai très très peur. Je suis... Tellement seul. Je me sens persécuté. Elle m'en bat les couilles, frère. Seul contre tous. Oh. Ceux qu'ils croyaient être ses amis ont décidé de laisser Mario seul aujourd'hui. Ils n'agiront pas en combat, mais peuvent se défendre et user de leur talent dehors. Je suis donc seul face à mon destin. Moi, je propose le prochain, tu fais le Pokérap de changement de badge en direct. Bah, ça va être compliqué. C'est l'horreur. C'est très très dur. Batfeu. Ouais. Et alors, je sais pas quoi faire. Oh là là, alors, qu'est-ce que je vais mettre? Je sais pas. Il suffit. Et lui, il me semble que si je le laisse sur le dos, c'est pas une bonne idée. En fait, non. Que je ne passe pas dans son intégralité. Oula, on a une belle brochette de vainqueur ici. On a notre petit Cyrenouna. Merci à vous, mes petites beautés. On a un champ et on a encore notre bâtard. Eh ben, ça va être une grosse rasera hein, pour Cyril Hanouna. C'est la fin, touche pas à mon poste. Au final, on a toujours pas utilisé un seul objet, on a pas utilisé un seul joker. Et voilà. Il a récompensé de la merde. Et c'est parti pour la numéro 8. Mais on l'a déjà eu la numéro 8, c'est pas celle-là la numéro 8? C'est pas celle qu'on vient d'avoir? Mesdames et messieurs, c'est l'heure de la carte des défis. Et attention, la carte du défi, mais je crois que c'est la même. Mais oui! Ah, mais ça, c'est terrible, mesdames et messieurs! Mario est seul au monde! Ses amis n'agiront pas en combat, mais peuvent se défendre et user de leur talent de... Ah, mais reroll jamais! Jamais je reroll, ce défi est très très bien! Je vais attendre JD quand même. Parce que sinon, il va pas comprendre ce qui se passe. Il va voir la carte, il va dire: bah, t'as même pas changé de badge, t'as même pas changé de carte défi et tout, je sais pas, 3 minutes, tu fous rien de ta vie, connard. Oh, t'as même pas changé de badge, t'as même pas changé la carte défi et tout, tu fous rien de ta vie. Qu'est-ce que. Oh, mais non, mais chérie, Marie, qu'est-ce qu'il va faire encore? Qu'est-ce que tu veux? Tu sais que t'es mon bébé, y'a ça que je peux t'aimer. Pompier. Tu m'énerves! La gueule! Ah merde, les gens savent ce que c'est la 13. Ils font 13 OMG. Comment ça, 13 OMG? 13 dans le sens coup dour ou dans le sens facile? Mesdames et messieurs, j'ai peur. C'est l'heure de la carte des défis. Et ce sera peut-être la dernière carte de ce soir. Tu viens de piocher la carte numéro 13. En tout cas, Moobot l'a fait. Et la carte numéro 13 est... Les pieds sur terre. Mario doit rester au sol et ne sauter qu'en cas d'extrême nécessité. En combat, le sol lui est strictement interdit au secours. Ce serait horrible une feuille peur des îles tout de suite parce que ça serait un stress pas possible pour la tuer. Ah bah super. Yes. C'est pas putain, mais comment je fais? Yes. Comment vais-je faire? Tu te souviens ce que ça fait coup d'étoile, Gilet? Non, je me souviens plus ce qu'elle fait, mais je crois qu'elle est bien. Bah génial. Aïe. Ça devient dur. À ce moment-là, je ne savais plus quoi faire, et j'ai utilisé feu magique. Voici mon doigt. Ah,
Voilà. Au moins, c'est simple à avoir l'initiative, hein. Oh non. Oh non. Le coup est doux. Il est temps de sortir ma boule secrète. Super pêche. Goumeli. Bon, t'as peut-être pas assez, mais essaye. Fais ton mieux. J'ai glissé, chef. Bah écoute, c'était un bon live, hein. Ouais, c'est ça. Ouais. Ils ont envie de pisser, super. Je veux faire pipi. Et c'est là qu'on se dit, bon, ils ont plus 3 d'attaque, ils ont plus 9 d'attaque, ça va faire mal, ça va cogner la bagarre, et là je suis d'accord avec vous. Mais parce qu'il y a un mais dans cette histoire. On fait, regardez ce que fait Mario actuellement. Salut. Voilà ce que fait Mario, et du coup maintenant, on se casse. Salut mon pote. Salut mon pote. Voilà. J'étais caché. Merci, oh, merci, ouais. Merci, et voilà, et voilà. Et voilà. Tout le monde qui doute encore de moi, comment osez-vous? Du coup, tu t'en vas ou pas? Oui, je m'arrête là. Ok, bah des très très gros bisous, JD, merci de m'avoir accompagné. Ouais. Tu étais un commentateur hors du commun. Bon bah des gros bisous au chat et des gros bisous à toi, et bon courage. Des gros bisous, ah, des gros bisous. Salut. Est-ce que Hermite veut revenir? Je veux bien. Mine de rien. J'ai rigolé très fort quand il y avait le feu par Daisy. Moi aussi, j'en pouvais plus, putain. Je dis, eh, ça serait marrant qu'il y en ait un, putain. Je peux vous mentir que là, si on a encore une feu par Daisy, j'arrête tout. S'il y a balance que... des marteaux dans la chambre. Oh, oh, mon coton, toi. Oh, oh non. Oh, oh, putain. Oh, non. Jesus Christ, RN Jesus te déteste, RN Jesus te maudit, Shaitan, Zbel, Namok. C'est pas non. Lord. Vous savez quoi? Vous savez quoi? Je suis super serein. Je suis sûr de gagner ce fight. Écoutez bien, regardez bien ce qui va se passer. Il est RN temps de dessiner un maximum de chibre, mais sans les couilles. Je vais pas vous mentir, je vais faire que le chibre. Déchirer. Oh non, ils sont pas morts. Oh non. Shred. Oh. Is this the end of the world as we know non, it? Mon pote. Et non, mon pote. Et non, mon pote. C'est pas du tout the end of the world. Parce que je recommence. Ils sont morts. Oh. Ah, moi aussi, je te promets, moi aussi, mon cœur, et j'ai cru qu'il allait sortir de la poitrine quand j'ai vu ça. Oh, y a qu'à moi que ça arrive ce genre de conneries, tout ça parce que je suis en stream, quoi. C'est pas 80 points étoiles, mais... 88 points étoiles, le niveau à la fin qui fait trop plaisir. Cette fois, c'est DPC, 100% c'est DPC. Ah oui, oui, ah ouais, t'en avais besoin l'autre fois, là, faut pas que tu rates, hein. Al dente avec de l'huile d'olive, mes amis. Oh là là. Trop beau. Mesdames et messieurs, c'est peut-être la dernière... Carte de défi. La numéro 4 est donc la... Agressif, Mario est désormais en colère. Vous devrez affronter tous vos ennemis et ne compter que sur votre contre-attaque. Pas d'objet, pas de défense. Mais qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Monsieur, qu'est-ce que vous faites? Eh bah, c'est simple. Hop. Hop. Ah. Allez. Nique-toi la carte de défi. Nique-toi mais bien. Mais putain. Je veux pas de carte de défi. Tu l'as fait exprès. Oui. Tu l'as fait exprès. Ta race. C'est où je ne la vois plus. Tac. Où se trouve la race de Lunatic? Est-ce qu'elle est sous le meuble? Est-ce qu'elle est au plafond? On ne sait non, pas. Quand je regarde ta carte d'identité, dans ta carte d'identité, quand je regarde à côté de Ethnie, il n'y a rien. Donc. Wow! Plus de 1000 euros! Oh mon dieu, c'est un reskin! C'est vrai, c'est vrai. Ah, il n'y a même pas d'introduction, rien! Et du coup, c'est parti pour le dernier ever Goumeli Scanner. C'est oh oui. Parti! C'est Toxicroc. Ils disent ici que c'est la sœur aînée de Carbocroc. En fait, elle est tellement vieille qu'il ne reste que les os. PC Max 200. Puissance 8, défense 2. Son souffle peut geler, endormir et faire plein d'autres choses pas très sympas. Et quand ses PC sont bas, elle régénérerait. Elle serait encore plus forte que le boss final. En fait, non. Ah yes, ok. Finalement, le boss final, c'était les deux Feu Peur Daisy. Oui.
Félicitations! Je l'ai tellement! Mais en plus, j'ai même pas fait des trucs abusés! Je me suis juste boosté, j'ai fait des super robots. Je pense qu'il aurait fallu y aller au niveau 30, hein. Parce qu'en fait, c'est vrai que le plus gros défi du donjon des 100, c'est d'arriver jusqu'au boss. Le boss en soi est normalement. Enfin, moi, j'ai vraiment souvenir qu'il m'avait impressionné la première fois que j'étais contre lui. Mais après, bon, bah écoutez, force est de constater que je suis supérieur. Gros bisous le chat, gros bisous à toi, merci encore. À très bientôt. Et des gros bisous à JD aussi. Et du coup, il est temps pour moi de vous faire mes adieux pour Paper Mario à Port MDR. J'avoue que ça fait bizarre de dire que c'est vraiment fini, mais là voilà, là c'est la dernière. C'est la dernière fois que j'ai allumé ce jeu. La dernière fois avant, je pense, un gros bout de temps. Ça me fait quand même quelque chose de me dire ça. J'ai vraiment passé un super moment sur ce let's play. Il sera tout jamais une grosse partie de ma vie. Ça a été 5 ans. Ça a été 5 ans pour faire ce let's play, ça a eu beaucoup de signification pour moi. C'est un projet, l'un des projets les plus aboutis. Tout simplement, actuellement. Inouï. Paper Mario a vraiment été un gros tournant dans ma vie. Faut savoir que ce let's play, à l'époque sur Voxmaker, c'était vraiment un défouloir, je m'éclatais. C'était vraiment une époque où j'avais vraiment envie de faire des let's play de poupe. Je voulais vraiment faire limite ça. Bah, c'était ce que je voulais faire de ma vie. Entre temps, j'ai évolué, j'ai eu d'autres projets. Vous êtes beaucoup à me soutenir au jour le jour avec ces histoires, j'espère que ça durera encore longtemps. On va faire Super Paper Mario en live et ça, je vous avoue, ça me fait tellement plaisir parce que c'est aussi un très très bon jeu qui risque d'être très très cool à faire en let's play. Je sais pas quoi dire pour terminer. Je vous fais des très très gros bisous. Des bisous YouTube. À bientôt.